Parce qu'on va pas nous empêcher de discuter. Ouais, mais avant. On est resté longtemps avec eux quand même. Ah, on est resté parce qu'on avait des journalistes qui nous posaient des questions. On voulait pas leur laisser le monopole de ce qui se passait à Alliance. D'accord, merci, c'est gentil. Merci. Voilà, et on voulait être présent pour ça. Voilà, on n'est pas parti. Vous dire ce que vous pensez d'Alliance devant les micros. Ce qu'on pense d'Alliance. Ah bah alors. Courage, allez. Il n'y a pas de courage. C'est que sur leur mot d'ordre, stop à l'air identifique, on trouve ça contre-productif. Ça augmente les tensions. Après, on était contents sur une chose, c'est qu'on dénonce depuis plusieurs mois que ce sont nos donneurs d'ordre qui font que les manifestations dérapent, qui fait qu'il y a des blessés chez les manifestants, chez les policiers et chez les riverains. Et ils ont pris ça il y a quelques jours. Donc on est contents. Donc on leur a dit, bah bravo, il était temps d'ouvrir les yeux. D'accord, vous vous rendez compte que là, ça représente plus, ça s'apprend plus à un meeting du Front National au niveau d'Alliance quand on voit Gilbert Collard et Marie-Monnaie Chalopin. Alors nous, on va dire, on va pas faire de politique. Et après, sur Alliance, ils sont encartés aux Républicains. Ils sont élus sur certaines listes républicaines. Voilà. Donc après, on a vu plein de Républicains défiler. C'est l'aile droite des Républicains. Est-ce que vous pouvez développer le fait que le gouvernement est en partie responsable des dérapages des manifestations? Alors on peut développer, il n'y a pas de problème. On l'a fait de long en large. Donc c'est pourquoi, parce qu'il y a des groupes violents qui sont identifiés clairement avant les manifestations, pour la plupart. À ce moment-là, on pourrait les interpeller, ou en tout cas, j'allais dire, comme ils ont encore rien fait, ce qui est vrai, on pourrait faire comme quand on va voir un concert. Moi, quand je vais au Stade de France voir un concert, on me demande d'enlever toutes mes armes par destination. Et après, t'intègres le cortège ou tu t'en vas. Bon, après, si ça dérape, ben, à ce moment-là, ben, c'est des gens qui n'étaient pas venus manifester et porter un message. Donc à partir de là, il n'y a pas d'ordre. Des fois, il y a des gens qui s'équipent d'équipements violents avec des armes, des fois devant les policiers. Voire des fois, il y a des gens qui ont été identifiés, qui sont venus à Nuit Debout, notamment le 9 avril. On a poussé la compagnie de CRS pour qu'ils puissent rejoindre Nuit Debout. Et ça a été le vrac le soir même. Et on sait que c'est instrumentalisé parce qu'après, quand ces gens-là ont voulu attaquer le domicile de M. Valls, alors là, la rue a été barricadée, interpellation à tout va, et sécurité. C'est faux, c'est faux. Il y avait un apéro devant chez M. Valls, c'était pas une attaque. Oui, non, mais ce que je veux dire. Le but n'était pas d'aller chez lui, mais c'était d'aller devant, lui, devant son domicile. Non, avec je reprends mes propos, c'est qu'avant, quand le domicile de M. Valls. Non, bah, alors, ils ont voulu aller chez M. Valls, alors je reprends mes propos, c'est qu'à ce moment-là, tout a été fait pour que ce ne soit pas possible. Donc quand on veut utiliser les policiers, c'est possible. J'ai pas les chiffres, donc je pourrais pas mentir. Par rapport aux effectifs de police. Pardon ? Par rapport aux effectifs de police. Alors ça dépend à quel endroit. À Paris, sur Paris, il y en a beaucoup. Ce qui, j'allais dire, normalement permet d'éviter les utilisations d'armes non létales, vu qu'il y a assez de monde. Je dis normalement. Par rapport à Rennes ou à Nantes, où il y a moins d'effectifs, il y a des armes abusives de certaines armes, faute d'effectifs. Est-ce que vous pensez que les LMD, les lanceurs de balles de défense, c'est utile aux manifestations ou c'est vraiment. Les flashballs, c'est interdit, nous sommes bien d'accord. Après, le défenseur des droits a dit, on est d'accord. Après, il y a toujours des emplois des armes qui sont dangereuses, c'est une arme de toute façon. Voilà, tout à l'heure on s'est fait gazer alors qu'on était là de façon pacifique. Et tout le monde s'en est pris plein la gueule, y compris les gendarmes. Ouais, c'est vrai. Par un de vos collègues civils. Est-ce que c'est fini ça normal? Ouais, c'est un bac. Alors, d'ailleurs, à propos, au niveau des gaz, ils devraient être interdits puisque c'est des gaz en temps de guerre qui sont interdits. Donc pour quelle raison on utilise sur des civils et notamment en plus sur les policiers, vous êtes en train de vous polluer ou alors, cancer. Je suis d'accord, pour avoir fait les cortèges notamment le 12 mai du côté CGT, hein, parce que nous on a pu voir vivre de chaque côté les choses hein, quand on n'est pas réquisitionné. Effectivement la France s'est pris des gaz lacrymogènes aussi, il n'y avait rien qui se passait de particulier, mais c'est là où on voudrait que la colère se dirige vers nos donneurs d'ordre qui font tout pour que ça dérape. Mais vous nous empêchez d'arriver, ils nous empêchent. Mais je sais bien. Ah mais les donneurs d'ordre, il faut leur écrire, il faut leur donner le message, nous c'est ce qu'on essaie de faire passer le plus possible. Ah non mais on est d'accord, nous on a une petite traque qu'on a ramenée en disant bah écoutez, à défaut de ne pas pouvoir baisser vos boucliers, baissez vos boucliers, levez vos casques, mettez un petit autocollant sur votre bouclier ou votre uniforme. En Italie ça a été possible, en Allemagne ça a été possible, en Bosnie ça a été possible. Et donc voilà, donc on essaye de faire en sorte que ça avance quoi. Mais dans quelle mesure Alliance n'est pas un état dans l'état? Deux. Dans quelle mesure Alliance n'est pas un état dans l'état? Comment ils peuvent décider là aujourd'hui même occuper la place République alors qu'elle appartient, elle nous appartient, elle a été privatisée alors que là on est quand même, ça fait
plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on est là, et là c'est une pure provocation. Comment c'est possible que Cado, le préfet de police, ait pu autoriser cette manifestation? Il est interdit UNB. C'est un état dans l'état. Il y a quelque chose de symbolique hein, sur la place de la République. Il y a quelque chose de symbolique, c'est pour ça que nous ne voulons pas l'abandonner. C'est pas symbolique, ça s'appelle une provocation. Mais après, il y a différents points de vue. Nous voulons le symbole de la République, on se estime que c'est à tout le monde. Après, par contre, on estime que tout le monde aurait dû pouvoir venir pour discuter. Et on voilà. Le police assassine qui a été interdit ce matin par le préfet de police de Paris. Ah ben après, au bout d'un moment, je peux pas répondre à la place du préfet de police pour toutes les choses. La seule chose auxquelles, par contre, je pourrais répondre, parce que ça, on a pris position dans les médias, on aimerait bien. Quels sont les liens d'alliance avec le Front National? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont républicains, donc... Voilà. Question, quelle république, alors? Quel type de république qui a été donc affilié avec la police, le SO, avec des battes de baseball, etc. Voilà, j'allais dire, interroger est faux. Parce que là, c'est bizarre. J'étais pas sur place, après je peux pas parler de choses que je n'ai pas vues. Par contre, je voulais répondre sur quelque chose, sur les interdictions de manifestation qui ont été délivrées par le préfet de police. Nous, on a trouvé ça aberrant pour deux raisons. Un, ça excite les tensions. Et pourquoi? Parce que soit ces gens-là n'ont rien fait. À ce moment-là, on n'a pas à interdire à quelqu'un de manifester. Soit ils ont fait quelque chose de dangereux et répréhensible par la loi. À ce moment-là, il faut les déférer devant la justice. Voilà. Ouais, mais donc l'état d'urgence, c'est un palliatif à tout et n'importe quoi. Donc soit on défère les gens devant la justice parce qu'ils sont dangereux, soit on les autorise à manifester. À des familles de victimes et à des associations de familles de victimes de venir sur la place quand même. Non, mais... Pour laisser parler à la place Marion Maréchal Le Pen. C'est quand même délicat. C'est quand même très délicat. Ah ben je l'ai vécu, j'y étais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah ben on pense que c'est normal directement dirigé sur les gens. Ah ben je sais, j'ai pleuré dessus. C'est tendu par raison. Qu'est-ce que j'en pense? Dans tous les manuels, il y a marqué que on fait pas ça. On laisse, il y a toujours une porte de sortie. C'est même pas dans les manuels, c'est dans les livres d'histoire. C'est-à-dire toutes les manifestations qui ont dérapé, c'est parce qu'il y avait des nazis et les gens ne pouvaient pas sortir. Donc pour le coup, là, il y a plein d'endroits où les gens étaient encerclés, ne pouvaient pas bouger. Du coup. Moi là j'en ai pour 21 jours d'arrêt de travail, d'accord. Et c'est un éclat d'un éclat de grenade de désencerclement, donc un bout de gomme, de caoutchouc, même deux, qui sont rentrés dans ma jambe à 5 cm de profondeur. Putain. Ça a touché le tibia, ça pouvait vraiment endommager mon muscle, j'aurais perdu ma jambe. Ça a été lancé à hauteur d'homme, ça a rebondi sur le pôle d'une personne et ça a éclaté à 30 cm de ma jambe. Et on était encerclés, sachant que c'était la direction qui avait été donnée par la gendarmerie et la police nationale pour que les manifestants puissent évacuer vers ce périmètre. Vous connaissez la situation. Alors, la CGT police, par rapport à ces utilisations-là, qu'est-ce qu'elle dit? Sachant que, par ailleurs, c'est des armes qui sont systématiquement utilisées dans les situations dans lesquelles ce n'est pas réglementaire. Que ce soit pour l'F4, que ce soit pour les flashballs, etc., etc. Et que la grande majorité des manifestants qui étaient là étaient des manifestants qui sortaient d'une manifestation pacifique et qui se rendaient vers une sortie de métro. On s'est tous vu nasser, pousser, gazer vers la bouche des RER, puis rebondir en arrière, c'était totalement absurde. Quelle est la position de CGT Police par rapport à ça? Parce que je veux bien qu'Alliance, à la limite, ils s'en foutent, même si je suis sûr qu'il y en a qui ont du bon sens là-dedans. Mais votre position par rapport à l'utilisation non réglementaire des armes, je pense qu'elle est évidente, mais aussi par rapport à l'utilisation en général de ces armes-là, qui sont de fait pratiquement des armes de guerre. Quand une balle de caoutchouc rentre dans votre mollet, on n'est pas là dans quelque chose qui est de l'arme défensive pure et simple, quoi. Voilà. Et la police interdit qu'on reparte avec des preuves. Interdit qu'on reparte avec des déchets de grenades, de désencerclement. Alors, soit l'utilisation non légale des armes, je crois que la réponse est dans la question, c'est non légal. Après, pour le reste, nos collègues sur le terrain n'ont pas une vision d'ensemble. C'est ce qu'on disait, c'est les donneurs d'ordre qui ont la vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on leur dit par exemple de bloquer une rue, ils ne savent pas si toutes les autres rues sont bloquées. Donc moi, ce que j'invite, et ce qu'on a fait dans un track CGT Police, on invite les gens à porter plainte contre l'État. Parce que c'est inadmissible que ces donneurs d'ordre ne soient jamais mis au tribunal. Moi, je suis allé au procès de mon collègue qui a donné le coup de poing au lycée Bergson. Voilà. J'étais au tribunal la semaine dernière. Pas pour voir ça, la justice fait son travail et fera ce qu'il fait. Chacun est responsable de son propre fait. Par contre, moi j'étais venu pour savoir si les donneurs d'ordre seraient à la barre. Parce que notre collègue, en fait, il n'a pas de formation de maintien de l'ordre. Il est habillé comme un CRS, il avait 26 ans, il était dans une situation de stress pour laquelle il n'était pas formé. Donc ça n'excuse pas son geste, et ça, il sera jugé. Par contre, le donneur d'ordre qu'il a utilisé pour le mettre là, il va le refaire sur un autre de nos collègues, qu'il enverra aux pâtures au tribunal, et lui, il va pouvoir continuer à utiliser les policiers. Il y aura des blessés chez les manifestants, des blessés chez les policiers, et c'est inadmissible. Donc nous, on invite à porter plainte contre l'État qui donne des ordres inadmissibles. À quel point c'est efficace? L'État français, nous, pour toutes les plaintes qu'on a pu déposer au niveau de la CGT Police, ou même des gens qu'on connaît, malheureusement, la France, le système judiciaire est très compliqué.
compliqué à faire bouger. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice européenne, là la France est régulièrement condamnée et la Cour de justice européenne, elle est obligée d'appliquer. La Cour européenne des droits de l'homme, malheureusement, c'est à titre facultatif, donc autant vous dire que le titre facultatif, c'est compliqué. Oui, soit. Mais alors du coup, donc déjà c'est compliqué, mais alors par rapport aux armes, l'utilisation et des F4 et des flashballs, est-ce que vous trouvez que c'est encore normal? Et des gaz, parce que les gaz, ils ont été interdits par les conventions de Genève tout de suite pendant la Première Guerre mondiale. Et les bagues enfin, aussi. Mais c'est hallucinant, c'est des armes de guerre. Camarades, parce que tu es de la société. Nous on est venus vous voir exprès. L'utilisation d'armes qui sont pratiquement des armes de guerre dans des cadres urbains de manifestations démocratiques. Est-ce que c'est normal encore qu'une police du 21e siècle utilise ce genre d'outils? Je vais répondre par une autre question pour montrer le pouvoir politique. Est-ce que c'est normal que des militaires patrouillent sur le territoire français avec des armes de guerre? Non mais d'accord, mais réponds à cette question. La question c'est le défenseur des droits a répondu que ce n'est pas tellement normal. Et après il faut des choses graduées. Je veux dire, normalement, il y a une graduation des réponses, et malheureusement, à l'heure actuelle, il y a des donneurs d'ordre qui ne graduent pas les réponses, et qui fait qu'il y a des blessés de chaque côté, et qui attisent finalement les tensions avec des slogans « on n'aime plus la police dit les manifestants nous aiment plus », alors qu'en fait, c'est à chaque fois des tensions qui sont créées toutes pièces pour pas que ça se passe bien. Et je vais donner l'exemple à l'inverse, c'est que les CRS sont connus mondialement pour leur capacité à gérer une manifestation, et l'exemple le plus beau, si on les utilise à bon escient, il y a une manifestation, il y avait un sitting dans une rue, ils ont déplacé les manifestants à part un en les portant. Il n'y a pas eu tant des coups de genoux aussi. À l'Assemblée nationale, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelques années. Après, il y a deux semaines, j'étais à l'Assemblée nationale en sitting pacifique. Ouais. D'accord. J'étais en sitting pacifique. Ils ont mis des coups de genoux dans le crâne, des coups de genoux dans la mâchoire. Et là, ça fait deux semaines que j'ai je parle toujours en général de la police nationale. Il y a toujours des gens qui sont irresponsables chez nous et qui, je rappelle aussi, la fonction publique de la police nationale est la plus sanctionnée de France. Après, il y a des tribunaux qui agissent. Qui est sanctionné? Les collègues de terrain, d'accord, mais pas les donneurs d'ordre. Voilà, les donneurs d'ordre, parlons-en de ça. Tu en parles depuis tout à l'heure, c'est très cool. Ça veut dire qu'on est d'accord, je pense, sur le diagnostic général. C'est des personnes qui payent pas, des erreurs qui coûtent, des membres, des yeux, des manifestants, et sûrement des policiers qui se font blesser et qui par ailleurs sont jugés, etc. Mais alors pourquoi vous manifestez pas contre leur travail? Pourquoi vous manifestez pas contre leur travail? Ensemble, avec la population. Pour la loi, c'est la société police, on vous croit quand c'est alliance. Alors, à la bataille du plus gros kiki qui va descendre dans la place, etc. Moi j'apprécie que j'ai ce perso du fait de venir dialoguer et c'est super. Mais pourquoi on vous voit maintenant, on ne voit pas manifester avec la CGT en général, etc. et tous les autres manifestants contre le travail et son monde. Parce que c'est ça qui est en cause, c'est tout un système. Tu aurais le bon ou pas? Bien sûr. On y est dans les cortèges de manifestants avec la CGT. Moi j'ai jamais vu la CGT. Jamais vu la CGT. Non mais j'ai des photos. C'est tant mieux. Dans les cortèges, parce que nous on estime que la loi travail est très dangereuse pour tout le monde. Et on est dans les cortèges parce que, un, voyez par exemple, prends l'exemple des retraites. Ils ont d'abord privatisé les retraites pour le secteur privé et après ils ont fait fonction publique, mais on vous la met à l'envers. On sait que ça va être pareil. Il y a plein de choses qui sont déclinables, qui sont très dangereuses pour tout le monde et toute la population. On va reprendre l'exemple de rien que l'inversion de la hiérarchie des normes, avec des accords d'entreprise qui sont supérieurs au code du travail. Nous, ça nous fait très très peur parce qu'on a un code de déontologie que M. Valls a fait en 2014 qui place la police nationale au service des institutions et des intérêts nationaux. Et c'est un décret. Donc pour le moment, la bonne nouvelle, c'est que c'est inférieur dans la hiérarchie des normes à la Constitution qui reprend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une force publique à l'usage de tous, donc au service du peuple. Maintenant, si on s'autorise dans le code du travail à inverser les normes et qu'on va nous faire pareil, ça va être très dangereux parce qu'on ouvre la porte à la boîte de Pandore. Donc nous, on est dans les manifestations autant qu'on peut. Donc on était le 12 mai, etc. Mais il faut savoir que nous, on n'a pas le droit de grève. Donc déjà, c'est compliqué. Pour poser des jours de congé avec l'état d'urgence, Vigipirate, on nous oppose toujours nécessité de service. Vous devez vous occuper de l'autre côté de la barrière. Donc nous, on fait le maximum pour être présent. Mais il y a tout qui est fait pour qu'on puisse pas être dans les manifs. Donc toi tu dis en somme de tout, il faut porter plainte contre les donneurs d'ordre, même individuellement, tout en disant que c'est pas très efficace parce qu'il faut arriver jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Et après, si tout le monde le fait, il faut une défense collective. Il y a une défense collective de citoyens qui vont porter plainte contre les donneurs d'ordre. Nous on sera les premiers. Voilà, mais on le tient comme voilà. Voilà, on sera là parce qu'on l'a déjà dénoncé et on trouve ça inadmissible. Pourquoi vous dites aux citoyens de porter plainte contre les ordres inadmissibles? Mais alors pourquoi la police accepte de se soumettre aux ordres inadmissibles et ne porte pas plainte directement contre ceux qui leur donnent des ordres inadmissibles et n'applique pas ces ordres avant de les appliquer? Alors pourquoi ce sera à nous de porter plainte contre des ordres inadmissibles alors que la police n'est pas obligée d'appliquer si c'est des ordres inadmissibles et pourrait porter plainte eux aussi contre ces gens-là? Je vais répondre. Alors déjà, tous nos collègues, déjà dans le code de déontologie de M. Valls, alors c'est très drôle, dans les commentaires du ministère de l'Intérieur, il est marqué quand les policiers reçoivent un ordre manifestement pas trop illégal, ils doivent quand même l'exécuter.
nous on pensait qu'il y avait illégal et pas illégal. Maintenant c'est pas trop illégal. Bon, c'est écrit noir sur blanc, ça. C'est écrit noir sur blanc, vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur dans les commentaires du code de déontologie. Donc déjà il y a ça. Ça veut dire que c'est un code de déontologie mis par l'État, ça veut dire qu'on peut aller à l'encontre de ce code devant un tribunal administratif. On est bien d'accord. Alors pourquoi aucun policier n'a pas de peine devant le tribunal administratif ? Nous on attend qu'un de nos collègues soit sanctionné au nom de ce code, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais dès qu'un de nos collègues nous demandera d'aller, qui est sanctionné au nom de ce code, nous on ira au tribunal. Qui refuse d'appliquer les ordres. Alors ensuite, je reviens sur la suite. Le 28 avril, la BAC et les BDI, les brigades départementales d'intervention, qui ont chargé en courant des gens qui s'étaient fait nasser parce qu'ils étaient là pour rien, à coup de matraque, foutu par terre, tabassé, menotté. Enfin, menotté puis tabassé. À quel moment est-ce qu'ils pensent qu'ils vont refuser les ordres? À quel moment ces gens-là, il y en a parmi eux qui refusent les ordres? Alors, je peux donner que des exemples que j'ai vécu. Après, il y a aussi beaucoup de nos collègues qui ont peur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des banques, dans des sociétés où ils ne peuvent plus supporter leurs donneurs d'ordre. Et malheureusement, ils continuent de travailler pour eux et à faire au mieux qu'ils peuvent localement. Après, il y a des dérapages, etc. Après, il y a une volonté de courage. Moi, je sais que par exemple, sur les perquisitions administratives suite à l'état d'urgence, on m'a demandé d'en faire. J'ai dit, bah, je suis volontaire pour y aller. Par contre, je vais vous faire un rapport pour vous dire pourquoi je trouve ça scandaleux et que c'est complètement illégal. Ah, mais vous le faites quand même. Ben, je n'ai pas fait du coup, parce que j'ai été redressé du dispositif. On m'a dit, du coup, lui, il va nous faire chier parce qu'il va aller porter ce qui se passe qu'on ne fait pas terrible, ça va être porté partout. J'ai été retiré du dispositif. Parce que moi, pour porter quelque chose, je veux le voir de mes propres yeux. On m'a dit plein de choses. J'ai dit, bah, moi, je suis volontaire pour soulager mes collègues. Mais sur place, j'aurais fait au mieux pour que ça se passe bien. Et tout en dénonçant publiquement ce qui serait passé. Du coup, ma hiérarchie a dit, bah, on vous retire du dispositif. Même chose, il y a des fois, il y a des passages fichés, je pense à ça comme exemple. La police nationale est utilisée tous les ans pour sécuriser l'université d'été du MEDEF dans les Yvelines. Pendant ce temps-là, où sont les policiers? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez, mais par contre, on a le temps de leur mettre chez eux. Les services de renseignement passent aux fichiers les salariés du MEDEF qui sont des intérimaires. Des fois, qu'il y a un dangereux terroriste parmi eux ou quelqu'un qui pourrait. On est bien d'accord? Moi, j'ai refusé de le faire. J'ai dit, je ne l'exécute pas. Combien refusent? Mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui savent prendre leurs responsabilités, qu'ont peur. La responsabilité, c'est qu'à partir du moment où on a une arme sur le côté, il faut refuser des ordres absurdes et illégaux. Et même pas trop illégaux. Alors là, il faut arrêter, c'est un massacre. Alors, il y a peut-être beaucoup de morts. Il va y en avoir. Et si on attend des morts, et si on continue à laisser les médias montrer des voitures brûlées, et pas montrer des gens épargnés, des gens qui boitent, des arrêts de travail, etc., 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 il n'y en aura jamais qui se soulèveront. Moi, je pense que vous devez appeler à refuser les ordres de façon massive. De façon massive, là, sur les. Alors après, on fait comme on peut avec nos faibles moyens, j'allais dire. Parce que c'est majoritaire et c'est Alliance qui est majoritaire. Voilà, et encore, je tiens à préciser que nos collègues. Non mais après voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos moyens, nous à notre niveau. Hein. Après, il faut savoir que nos collègues en général, les syndicats se servent d'eux parce qu'en fait, c'est pour les syndicats gèrent les avancements et les mutations. Donc ça veut dire que si tu veux ton avancement ou ta mutation avant tes petits copains, tu dois être adhéré à un syndicat majoritaire. Et au moment des élections, ils disent, bah t'as déjà ton timbre chez nous, revote pour nous. Il y a des gens parmi nous qui sont syndiqués, il y a des gens parmi nous qui sont de la fonction publique. Ouais. Moi, j'en ai rien à faire, je suis de la fonction publique, je suis prof. J'en ai rien à faire si je me fais interpeller parce que c'est pas pour une bonne raison et j'aurais rien fait d'illégal. J'en ai rien à faire. Donc quand on a une arme, faut en avoir quelque chose à faire quand même à un moment de ce qu'on fait. Non mais c'est ce que je dis, c'est que nous on essaie de travailler nos collègues sur les conditions de travail et sur les faire réfléchir. Hein. Non mais on est bien d'accord. Les droits de l'homme avant la promotion. Alors je vais vous répondre sur ça. Je vais répondre, c'est sur notre code de déontologie, on a une formation. Parce qu'autant on n'a pas de formation de recyclage sur les armes, forcément, sur les tirs, etc. Autant pour le bourrage de crâne sur le code de déontologie, on a eu. Et à un moment, j'ai posé la question, justement, en disant bah, ça limite les libertés individuelles, ça nous empêche de critiquer. Il y a une dévalorisation, un glissement par rapport à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. La réponse qu'on m'a faite, à un moment, il faut choisir. Soit vous défendez des valeurs, soit vous les bouffez à la fin du mois. Donc je crois que ça a été résumé à ce moment-là. Donc après, c'est déjà fait. Et nous, on a tout communiqué. Nous. C'est code de déontologie. Mais on le défend pas, nous on l'a pas signé, on l'a critiqué et on a fait même 17 pages pourquoi il était dangereux. Mais après, pourquoi? Parce que je suis rentré pour défendre la veuve et l'orphelin. J'espère faire changer les choses en interne, moi. Pour faire avancer les choses, si tout le monde déserte le bateau, il n'y aura plus personne pour le défendre en interne. Nous, on voudrait avancer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu rencontrer la population, on est venu sur la place de la République. Mais c'est Alliance qui nous font là, c'est quoi, enfin, on a compris, t'es un camarade, t'es engagé, etc. Et c'est super que vous soyez là, et c'est bon pour le dialogue en général. Ouais. Mais c'est ton collègue d'Alliance qui nous font là. C'est ton collègue d'Alliance parce qu'il doit voir avec ses yeux tous les gens qui sont faits morts, blessés, etc. Si tu as son numéro, c'est le moment. J'ai pas son numéro, parce que la dernière incendiaire syndicale qu'on a voulu faire, c'est-à-dire discuter. Simplement discuter pour savoir les modalités si on est d'accord sur quelque chose. C'est Alliance qui avait lancé l'idée, ils n'ont jamais répondu au
fait de discuter. Et quand François Hollande avait dit je reçois tous les syndicats de police à l'Elysée, ben, on s'est dit on va venir, on est resté à la porte et il n'y a personne des syndicats majoritaires qui nous a tendu la main en disant bah ils sont venus, on avait essayé de faire quelque chose, qu'ils viennent discuter, ils ont un autre point de vue. On est resté devant la porte du palais. Donc c'est compliqué de se faire entendre quand à la fois les pouvoirs publics ne veulent pas nous entendre. Mais je tiens à signaler que depuis que c'est M. Cazeneuve, tous les ministres de l'Intérieur jusqu'à M. Valls nous ont reçus au ministère. Après, on n'était pas forcément bien suivis ou écoutés. Mais au moins, on a pu s'exprimer et donner un point de vue différent sur la police. Depuis que c'est M. Cazeneuve, la porte est fermée. Et question dans l'image, peut-être de la gendarmerie nationale, que les gendarmes mobiles entourent la place de la République pour justement, entre guillemets, protéger le syndicat Alliance, donc les policiers qui sont d'extrême droite avec Marie-Maréchal Le Pen, etc. L'image, elle est un peu... ça le fait pas trop, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Alors nous, on va revenir sur la politique, on ne fera pas de politique, on ne commentera pas les partis politiques qui sont nus. Nous, sur le fait que l'Alliance a été, la place a été encadrée par des gendarmes mobiles, ben nous, ça allait contre ce qu'on voulait faire. Parce que nous, on s'est dit, c'est l'occasion aujourd'hui, les policiers ne sont pas en service, voilà. On mais peut oui. discuter. Oui, on n'a pas de neutralité du service public à observer aujourd'hui. Bon, sachant quand même que dans le code de déontologie de M. Valls, on doit rester en service 24 heures sur 24. Voilà. Pour nous, on trouve scandaleux. Mais nous, c'était l'occasion de discuter tranquillement et de montrer que finalement, si tous ensemble, on s'y met, manifestants, policiers républicains sur des valeurs égalité, liberté, fraternité, eh ben on peut faire quelque chose et qu'on est la grande majorité des gens qui n'est pas entendu et qu'aux 20h et dans tous les journaux, on passe jamais les bonnes images, on passe des images de violence, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Et nous, on voudrait que les images qui passent, bah, là par exemple, on est tous en train de discuter tranquillement, il n'y a pas de violence, il y a un dialogue qui s'instaure, on ne sera pas forcément d'accord sur tout, mais à la limite, ça c'est la démocratie. On peut s'entendre et on peut discuter. Et ça, on voudrait que ça passe. Et on voudrait que ce soient les images qui soient retenues et pas les images de chacun dans son coin. Aujourd'hui, c'est d'établir un dialogue aujourd'hui. Eh ben oui. On voulait même parler avec vous. Il y avait des tracts qui étaient prévus sur la lettre du préfet Grimaud qu'on voulait distribuer. Mais ça, on l'a reçu, voilà. On l'a lu, on l'a ressenti. Voilà, et ben, il faut la relire, il faut la laisser infuser cette lettre qui est formidable. C'est des préfets de police de 68 qui l'avaient écrite. Je voulais aussi vous dire, par rapport au code de déontologie, est-ce qu'il n'est pas foutu en l'air par cet état d'urgence qui vient du coup rendre toutes les règles que vous recevez biaisées? Est-ce qu'il n'est pas biaisé par l'état d'urgence? Non, ça fait que révéler au grand jour ce qui est prévu textuellement. Oui, mais et ça fait que aggraver la situation. Mais parce qu'au niveau de l'emploi des armes, je vous dis ça parce que j'ai pris une grenade au visage il y a 2 semaines, le 28 avril, et que la grenade, je l'ai repoussée au visage, et normalement, ils sont allés la lancer en bas. Rémi Fraisse est mort comme ça, il a pris une grenade là. Pourquoi il les lance comme ça? Comment ça se fait qu'il y a des armes qui sont utilisées, mais que c'est un vrai assassinat de les utiliser comme ça? Ah ben, comment c'est possible ça? S'il y a des usages des armes qui ne sont pas conventionnels, j'ai répondu tout à l'heure, il faut faire les usages comme c'est prévu. Et après, bah, si c'est pas prévu, bah, c'est illégal. Mais vous savez qu'on peut pas aller au pénal avec ça, même si les armes. Parce que j'ai porté plainte à l'IGPN, bien sûr, et ouais. Je ne peux pas aller au pénal parce que même si j'aurais pu en mourir, ouais. Les armes sont autorisées. Et même si elles ne sont pas utilisées à bon escient, elles sont autorisées. Donc nous, on ne peut rien faire, on ne peut pas se défendre, en vrai. Le défenseur des droits a critiqué l'usage de certaines armes. Le défenseur des droits ne rend que des avis. Il rend que des avis, mais enfin, au bout d'un moment, s'il a un immense avis, faut déjà faire. Ah, on est d'accord. Enfin, au bout d'un moment, ils l'ont mis en place et que si tout le monde commence à s'y mettre, c'est toujours pareil, c'est un rapport de force. Si on se dit, on n'a rien à faire, tant pis, on abandonne, on baisse les bras, ça ne sert à rien, bah, baissons les bras et rentrons chez nous. Je vous invite à toutes choses. Vous êtes contre les décisions d'Alliance, vous êtes contre la façon dont Alliance travaille, la façon dont vos collègues travaillent et massacrent la population française. Moi, je vous propose un truc. Lors des manifestations, encadrez-nous, défendez-nous, prenez les armes, les mêmes armes qu'ils utilisent contre nous, prenez-les contre eux. Jamais les armes contre qui que ce soit parce que je trouve que la violence utilisée c'est un mot d'échec. Alors faites bouclier, prêtez-nous des boucliers. Eh ben non, prêtez-nous des boucliers, prêtez-nous des décontaminants. Elle est dissymétrique cette violence. Je suis désolé, quand on est armé, on est bouclier, on a toutes les protections, alors que vous avez des manifestants qui sont montés juste du gaz de nitrogène, c'est dissymétrique. Je suis désolé. Et vous, discours aussi, au niveau du casseur, un discours médiatique sur les casseurs, à un moment donné, quand on s'oppose physiquement, mais pacifiquement à cet État ou à vos collègues qui sont, eux, d'une envie de se faire en découvre, le rapport de force, il n'existe plus. Je suis désolé, on ne nous protège pas. La police ne nous protège pas. Au contraire, elle nous abîme, elle nous mutile. Elle nous humilie, elle n'arrête pas de nous attaquer. Donc je suis désolé, même si vous êtes un petit pourcentage, vos collègues sont en train de décrédibiliser la République, la nation de République. C'est fini, parce que le défenseur des droits, depuis l'état d'urgence, a fait une belle déclaration anticonstitutionnelle, en tout cas contre les droits de l'homme. Et on sait qu'ils se sont assis sur les droits de l'homme. Alors dans quelle mesure on peut se défendre à partir du moment où même l'État passe
dit que pendant quelques mois, on va s'asseoir sur les tracteurs. Quelle est la porte de sortie alors? Non mais comment on peut poursuivre ce dialogue surtout avec vous? Comment est-ce qu'on peut se rejoindre? Nous on essaie de faire, on essaie de poster à chaque fois sur Convergence des luttes, parce qu'on estime qu'on est des salariés comme les autres, avec des devoirs en plus, mais des responsabilités en plus. Pour nous, la fonction de la police, c'est que chacun puisse s'exprimer librement et c'est de garantir la liberté. On ne supporte pas les discours de M. Valls et de tous ceux qui l'ont précédé en disant la première des libertés, la sécurité. Non, la liberté, la sécurité n'a jamais été une liberté. Contre les ordres légitimes, contre les violences faites à la population sur les manifestations. Donc on a eu le peuple à côté de nous, on a installé un dialogue ensemble pour ceux qui dorment des habitants. Alors nous on a lancé un mouvement pour le moment qui est en train de se créer, je veux dire on a pris contact avec Nuit Debout, etc. Ça va sur, je précise tout de suite pour éviter tout amalgame, c'est un contact avec les personnes qui la composent parce qu'il n'y a pas de récupération d'un côté ou de l'autre du logo. Et si nous on vient à Nuit Debout, ce sera à titre personnel et pas à titre syndicaliste pour éviter tout quiproquo. Ensuite sur le mot d'ordre, nous ce sera quelque chose de construire. On ne pouvait pas le construire dans l'état actuel des choses. CGT police tout seul, on aurait été ridicule. C'est quelque chose qui va se construire dans la durée avec toutes les forces sociales du pays. Et après ce sera là, ça va être à construire. Pas la politique des autres syndicats, nous on va bien organiser ça, mais on peut pas l'organiser des seuls. Monsieur, le fait que les gendarmes et les CRS ne soient pas syndiqués, comment on peut faire? Alors, parce que eux ne sont pas, ils sont pas représentés. Les CRS sont syndiqués. Ah bon? Bah, c'est des policiers. La majorité chez une ça d'ailleurs. Et les gendarmes? Les gendarmes, alors ce qui est très drôle, je vais reprendre ça, les gendarmes, il y a un gendarme qui allait jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a reconnu qu'on pouvait syndiquer les gendarmes. C'est bon. La réponse de M. Le Drian a été, mais écoutez, on va réunir des commissions, on va bien analyser la situation pour donner une portée minimum à cette décision. Et on se revoit grosso modo dans 10 ans en espérant que tout le monde ait oublié. Donc c'est jugé, mais l'État français fait vraiment un blocage sur ça. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a même dit, il y a même des militaires qui sont syndiqués dans d'autres pays. Et en ironisant, ils ont dit, écoutez le gouvernement français, si vous voulez vraiment qu'il y ait une contestation, et c'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme a donné le droit aux gendarmes de syndiquer, ils ont dit, c'est facile, vous mettez tous les fonctionnaires, vous dites que c'est des militaires. Et à ce moment-là, les gendarmes n'ont plus de fonction de militaire, c'est des personnels qui ont plus de 90% des missions civiles. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème et il y a une volonté politique, et là ça a été très clair. Bah nous, il faut que ça se construise. Nous, on a commencé, j'allais dire, dans notre malheur, la manifestation d'Alliance, ça nous a permis d'aller sur la place de la République et de ne pas leur laisser le monopole du discours et de prendre contact avec différents mouvements qui voulaient aller dans le sens d'une police républicaine qui protège sa population. Donc maintenant, on fait avec les moyens du bord, j'allais dire, parce qu'on n'est que la 6e organisation au niveau des syndicats de police. Donc on y travaille. J'allais dire, après, ça va être la bonne volonté de tout le monde parce qu'on ne pourra pas le porter tout seul. Donc on est en train de travailler au niveau de la CGT confédérale qui est intéressée pour porter ses valeurs et ce mouvement, mais ce sera un mouvement, je pense, syndical et population, on ne fera pas tout seul. On a besoin de temps, voilà. Merci. Et on a besoin d'entendre ce parole. Alexandre Langlois, donc secrétaire général de la Fédération CGT Police. Merci. Alexandre Langlois, secrétaire général de la Fédération CGT Police. Ça fait du bien, merci, parce qu'on en avait besoin. Voilà, on en avait vraiment tellement dans la gueule qu'on a besoin d'un dialogue, on était là pour ça aujourd'hui. Et on vous attendait en fait. On est venu, on a été accaparé par plusieurs journalistes, donc on en a profité pour passer le message et pas laisser la parole. Ouais. Et après, quand ça a été les discours, on nous a demandé ce qui vous passerait à la tribune sur la place. On a dit on ne peut pas passer à la tribune avec marqué en haut stop à la haine anti-flic. On ne peut pas passer sous cette tribune. Il n'y aurait pas eu d'image, on se serait exprimé devant tout le monde pour l'opposition. Mais malheureusement, les images restent et des fois les paroles s'envolent dans les médias et les effets médiatiques. Donc on a dit nous, puisque c'est comme ça, nous on a fait nos conférences de presse différentes avec différents médias. Maintenant, on va rencontrer la population. Ouais, merci. C'était prévu. On vous remercie à vous surtout d'être là et qu'on puisse montrer que on peut discuter et avoir un vrai dialogue. Et vraiment, c'est pas la haine anti-flic. À chaque fois, on le répète, il y en a beaucoup d'entre nous qui vont parler avec les flics. Et on voit bien qu'il y en a plein qui disent je peux pas parler, j'ai mon uniforme. Et il y en a même qui voient les gens se faire défoncer et qui voudraient interagir, mais ils peuvent pas. Et ils sont dans une vraie détresse eux aussi. Et c'est pas la haine anti-flic, c'est la haine contre les ordres des flics. Ça, on se tue à leur répéter aussi. Tout le monde déteste la police. En réalité, c'est tout le monde déteste les ordres de la police. On n'est pas contre les flics individuellement. On devrait être neutre en fait, on ne devrait pas être instrumentalisé par qui que ce soit. Mais être neutre, c'est un système d'oppression. Ah non mais voilà, mais c'est ce qui se passe. C'est être complice du système oppresseur. Après on essaye pourquoi de faire au mieux pour mettre une police républicaine nous. Hein. Pourquoi vous rappelez pas que le préfet de police, M. Cadeau, est un ancien sarkozyste et qui est très proche finalement du syndicat Alliance?
Il y a aussi de la promotion Voltaire. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut analyser comme on veut. Nous, on est là vraiment pour les conditions de travail, que ça se passe bien. Après, dans les digressions. Alors, comment expliquez-vous la méthode Kelvin et puis cette stratégie d'attention alors ? Une méthode ? Kelvin, Kevin, Joker. Joker, c'est, ouais. C'est une analyse qui a été faite dans le Nouvel Obs ou ailleurs, dans certains médias, qui en fait, c'est l'utilisation disproportionnée de la violence, c'est-à-dire un encadrement très fixe et très encadrant de la manifestation avec une stratégie d'attention. On va donner un autre exemple. Oui, c'est ça, c'est très moderne. Alors que toutes les polices européennes l'ont abandonné. Ouais. Ah ben même si ce que je disais tout à l'heure, dans les livres d'histoire, c'est complètement idiot. Les manifestations dans les années 1930, tout ça, où il y a eu des dérapages, voilà, des gens qui manifestaient pour défendre la République, des fois il y en a qui sont fait nasser, et ça n'a pas changé. Donc pour ça, nous, c'est les ordres, il ne faut pas que ça continue. Et ensuite, pour montrer que ça se passe bien, la manif du 12 mai, par exemple, le métro 6, il y a eu un incident de passagers. Donc tout le monde est descendu, une partie des manifestants dont on faisait partie, on était 300 à sortir de la rame de métro, on est descendu place d'Italie. On a marché de place d'Italie à Dorfer Rochebrousse sans aucun encadrement, quel qu'il soit. On a rejoint place d'Italie calmement et dans la bonne humeur. Donc c'est possible. Voilà. Et vous mettez en danger d'ailleurs, parce qu'à chaque fois en manif, je me souviens en 1er mai, je voyais des jeunes, parce qu'ils mettent les jeunes en première ligne, et t'as les vieux CRS derrière qui poussent, et les jeunes qui sont en première ligne, qui arrivent de province, des gendarmes mobiles, qui sont terrorisés aussi, parce qu'ils sont vraiment mis en danger sur des ordres qui sont complètement absurdes, et cette mise en danger-là, ça les fait pas réagir. Bah non, ils préfèrent. Il y en a beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens chez nous qui peuvent avoir peur de perdre leur emploi, parce qu'il faut savoir que chez nous, on peut se virer pour tout et n'importe quoi si on déplaît. Même nos collègues qui n'avaient rien fait, ils déplaçaient simplement leur hiérarchie, ils ont été virés. Et après, ils ont mis 10 ans de procédure pour être réintégrés. L'administration a réussi à dire, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prêts à risquer 10 ans de leur vie et 10 ans de leur carrière pour juste, alors maintenant, vous avez le choix, soit vous vous taisez, soit vous aurez 10 ans de procédure, vous gagnerez, mais vous aurez perdu 10 ans. Donc il y en a plein qui travaillent au niveau de la pression. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises privées, qui ont des ordres inadmissibles, qui travaillent dans des banques, dans tout ça. Je vais prendre un exemple parce que c'est flagrant. Nos camarades de la CGT qui travaillent à la défense pour les usines d'armement, ils nous ont dit, on était rentrés à la base, c'était pour des armes qui devaient défendre des valeurs de la République à la défense du territoire. Aujourd'hui, on est devenus des vendeurs d'armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Ils ont dit, il y a vraiment un glissement des missions. Et à l'heure actuelle, il y a deux choses. Soit on essaye de faire mieux en interne pour se rebattre, pour requalifier nos missions, avec des mouvements comme on peut, soit on abandonne le navire, mais après, il faut qu'on mange à la fin du mois, quoi. Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité. Oui, et aujourd'hui, c'est sous le couvert de « c'est mon boulot ». Non, mais et voilà. Du coup, le « c'est mon boulot » permet à chacun de se dédouaner de ses responsabilités. Alors, ils se dédouanent de responsabilités en partie. Est-ce que ceux qui veulent vraiment dire non, ils peuvent dire non ? Moi, j'ai déjà dit non sur plusieurs fois. Oui, mais il y a une telle pression, vous m'en parlez. Dans tous les boulots, c'est ça. C'est qu'on demande aux gens de faire des choses totalement immorales et inhumaines sous couvert de « c'est mon boulot ». On est d'accord. Et après, c'est un problème plus général qui ne s'arrête pas qu'à la police, en fait. Non, après, quelque chose de plus important dans la police, c'est que nous sommes normalement garants de la sécurité de la population. Ouais. Et c'est la grosse différence. Il y a une citation de la manipulatrice qui s'instaure finalement. Soit tu fermes ta gueule, tu vois, tu fermes ta gueule, mais tu risques de perdre ton boulot. Donc on est vraiment dans une situation de manipulation. C'est ça. Et après, la seule chose qui est possible, et on sait que c'est possible de temps en temps, c'est arrivé chez les compagnies de CRS quand on a dit qu'ils voulaient les fermer. Ils sont tous mis en arrêt maladie le même jour. Mais il faut une solidarité. Et malheureusement, les politiques qui ont été mises en place dans la police nationale, ça a été divisé les catégories de personnel, diviser les personnels le plus possible pour chacun sa gueule. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus une cohésion de groupe et c'est ce qu'on essaye de recréer parce que si tout le monde le fait en même temps, il n'y a plus possibilité de sanction en fait. Monsieur Longoire, moi je vous propose quelque chose. Parce que là, les CRS sont à côté, ils vont charger à un certain moment. D'accord ? Moi je vous propose de rester avec nous. Je vous propose de rester avec nous et de voir s'ils vont, de voir s'ils vont changer les manifestants, les collègues et toutes les personnes qui sont ici. D'accord ? Alors il y a deux choses. C'est un, ils chargeront à un moment, mais premièrement, ils vont charger. Donc il y aura deux solutions. Ils sont tous tabassables. Je vous assure qu'ils préviennent plus. On est tous tabassables. Ils sont tous tabassables. Bon, bah normalement, ils devraient prévenir. Voilà. La sommation, on est pudis. D'accord. Mais voilà, bon, normalement, ils devraient prévenir. Après, moi j'ai un impératif horaire sur 15h, je dois retourner à Montreuil. Par contre, on pourra refaire sur d'autres manifs parce qu'il y en aura d'autres sur les mouvements. En attendant, on se fait tabasser. Bah, demandez à vos collègues qui est ici de rester avec nous. Est-ce que vous seriez prêt à une déclaration pour désarmer la police, notamment pour le flashball, les bombes de désencerclement, parce que c'est des armes qui sont d'utilisation militaire. Moi, je ne pourrais pas prendre la décision tout seul. Oui, est-ce que c'est une question que vous pouvez poser? On peut poser à nos adhérents, parce que voilà, la différence aussi par rapport à d'autres syndicats de police, c'est que nous, c'est nos adhérents qui décident, et moi, je suis porte-parole de mes adhérents. Ce n'est pas moi qui pense pour tout le monde. Donc, je ne peux pas prendre des décisions sur lesquelles on n'a pas discuté en amont, tous ensemble. Mais après, on peut lancer la discussion en interne. Voilà. Et la deuxième question, c'est étant minoritaire, pensez-vous vraiment que vous allez pouvoir, puisque c'est du réseautage et donc c'est du réseau d'influence, étant donné, vu que Alliance était une pure création sarkozyste, parce qu'à l'époque, Alliance était bien moins forte qu'à ce jour, donc comment vous pouvez
un temps soit peu imaginé, prendre de l'influence au sein du ministère de l'Intérieur, en tous les cas de vos cœurs de métier? Alors le travail, déjà ce qu'on rappelle, c'est que historiquement la CGT Police était le seul syndicat en 1946. Il n'y avait que la CGT Police, 100% d'adhérents. Voilà. Bah, malheureusement, ça a déplu parce que quand les CRS posaient leur matraque pour soutenir les manifestants, ça n'allait pas. Donc on a fait rentrer d'autres syndicats, on a divisé, on a saucissonné tous les corps pour diviser les salariés pour plus qu'ils soient unis. Bon, ça c'est la première étape. La deuxième étape, nous ce qu'on espère, c'est que justement qu'il y a plein de gens qui connaissent des policiers dans leur entourage à plus ou moins long terme, plus ou moins éloignés. C'est qu'on leur dise, bah, vous, policiers personnels, civils, personnes civiles, la population et peuple, bah, dites-leur, ouvrez-leur les yeux. Dites-leur, bah, maintenant, rejoignez les collègues de la CGT Police pour faire avancer les choses. Et il y a plein de gens qui nous disent, eh ben, on n'arrive pas à les faire changer d'avis. Mais là, c'est le travail de tous ensemble. Nous, on n'aura pas les forces de le faire tout seul. Moi, c'est toute la population, parce que les policiers, moi le premier, je ne suis pas d'une famille de policiers, toutes mes amies ne sont pas policiers, on ne vit pas en vase clos policier. Donc je veux dire, je pense que c'est de plein de gens, et c'est nous, on compte sur cet engouement et cette... pour justement les travailler, quoi, leur dire, bah, maintenant, prends tes responsabilités. Nous, on est... peut-être que par le réseau d'amis, ça passera mieux que par se dire... Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive avec l'étiquette CGT Police dans les services, il y a plein de gens qui nous disent, ah, CGT, on ne plie pas le tract. Et après, si on discute avec les personnels, bah, on a, au bout de 2 heures, ils nous disent, mais en fait, vous avez raison, les petits gars. Et malheureusement, on ne peut pas prendre 2 heures avec 120 000 fonctionnaires de police, avec les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Et là, on espère une aide... de la population civile pour tous ceux qui connaissent des policiers, les inciter à prendre les responsabilités. Quoi. Et quelle audience vous avez quand on sait qu'un policier sur deux va au Front National? Parce que vu l'héritage que vous avez au niveau de la CGT, on sait qu'aujourd'hui cette police elle est quand même en l'occurrence qu'elle, très partiale puisque très politisée vers l'extrême droite. Donc de quelle mesure vous pouvez freiner ce développement? Alors ça je pense que c'est une idée reçue que la police soit... Non, sondage, Libération qui sort des casernes, parce que les butins... Ah mais les casernes, c'est les gendarmes, ils votent ensemble, donc là on peut faire... Les polices sont pas en caserne. Gendarmes et CRS, on sait très bien où ils sont. C'est impossible de savoir où les policiers votent, on n'est pas sur notre lieu d'habitation. Ah bah... Vous verrez. Je vous appelle à regarder cet article de Libération, Le Point, et 57% chaque fois ont voté pour le Front National. Alors on va faire des sondages, et après les gendarmes qui sont en caserne, c'est possible de faire une analyse. Bon, après on peut toujours rester sur la stigmatisation politique. Et après sur la police nationale, il est impossible de savoir ce que les policiers ont voté. Et quand on regarde les organisations syndicales présentes, on voit bien un peu qu'il y a tous les bords dans la police nationale. Et je vais donner exemple, le syndicat France Police, qui est le seul syndicat à sa tête qui, avec quelqu'un, revendiqué du Front National, représente 0, je sais plus combien, enfin c'est le dernier syndicat de la police nationale. Donc le seul qui s'est vendu de, disant je suis au Front National, c'est le dernier syndicat de la police nationale. Donc à partir de là, le reste on peut extrapoler autant qu'on veut, faire des discussions. C'est injuste qu'un colonel d'une compagnie de CRS qui s'est présenté. Il n'y a pas de colonel en CRS, donc c'est pour ça que c'est très embêtant. Donc c'est pour ça que dans les médias on voudrait dire. Non, mais il y a quand même des responsables. Il y a quand même des responsables de compagnie qui sont. Il faudrait des faits précis parce que quand on parle de colonel, etc. Sur les élections, sur des listes de Front National. Ben, j'ai envie de dire chaque citoyen prend ses responsabilités. Moi j'ai envie de dire il agit en tant que citoyen, pas en tant que policier. Nous on est là pour rapprocher la police de la population. Après on peut parler politique, mais j'ai pas de mandat pour parler politique aujourd'hui. Moi je suis là en tant que syndicaliste pour parler des conditions de travail des policiers, de savoir comment on peut remettre une police républicaine au service du peuple. Après on peut. Et la politique c'est la vie de la cité, c'est la vie de tous les jours, c'est entre vous et moi. Donc je suis désolé, je vois pas pourquoi vous pouvez pas être politique. Ben, je peux pas vous dire plus qu'on fasse de influence sur les politiques, ça on est d'accord, parce que c'est les politiques qui donnent les ordres et qui font les lois. Après pour le reste, moi j'ai pas d'analyse des sondages, etc. Moi, les sondages, on leur fait dire souvent ce qu'on veut aux chiffres. Maintenant, ça joue dans les urnes, et dans les urnes, il est impossible de savoir ce qu'un policier a voté. Et dans le Libération Le Point, c'était pour les casernes de gendarmes. Donc, apparemment, vous êtes partie du syndicat police. Ouais. Comment vous expliquez que le syndicat police... Alors, nous, on fait des manifestations depuis 2 mois. Ça fait 2 mois maintenant, aujourd'hui. Plus debout existe. Ouais. On fait des manifestations depuis 2 mois déjà. On ne on est pas la place, on est sur la place. Parce que c'est notre place, c'est la place de tout le peuple, comme vous êtes parlé, du peuple, vous avez entendu parler de ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, pour une manifestation des forces de l'ordre, qui monopolise toute une place, en empêchant tout le monde de passer, c'est ça une manifestation, déjà pour moi, que je me pose la question. Comment ça se fait qu'on monopolise la place avec des barrières? Je vais refaire la réponse. Ah, pardon. Mettant des barrières en empêchant tout le monde de passer, et que juste après on apprend. Justement, vous devez défendre ça, en plus vous êtes CGT, en même temps que CGT, ce qui fait encore plus rire, et en même temps qu'on entend que Madame Marion Maréchal Le Pen avec M. Collard était juste en face là. Donc ça veut dire que le FN est dans
dans l'ananas que vous avez formé ce matin, eh ben, vous êtes au courant. Comment ça se fait que Madame Marron, maréchal de Pagne, est là, a fait son petit bordel au niveau de la télé, avec le père Pagne. Et après, on va nous dire qu'en même temps, les porteurs, ils sont avec le peuple. Mais vous rigolez ou quoi, 5 minutes quoi. Arrêtez de parler 5 minutes. Arrêtez de prendre pour les coups. Écoute sa réponse. Ça vous intéresse la réponse ou pas? Écoute sa réponse, tu vas être sûr. Bon, c'est pas grave la réponse. Comment ça lui répond? Bon, on en arrive. Non, mais la réponse, j'ai déjà donné. Après, qu'il y ait des personnes politiques sur la place, donc moi déjà, je les ai pas vues. J'étais occupé à répondre à divers journalistes. Ensuite, pour les barrières, nous on n'a pas compris. On est arrivé ce matin, c'était barriéré, c'est une décision du préfet de police. Parce que nous, ça nous a empêché justement qu'on se rencontre sur la place plutôt qu'ici. Après, pour le reste, j'allais dire, on peut continuer de parler des effets épiphénomènes en disant ils étaient là, ils n'étaient pas là. En attendant, on ne parle pas des manifestants qui seront agressés, des policiers qui seront agressés et de la police qui n'est pas au service du peuple. Donc, recentrez-nous sur le centre du débat et pas sur des étiquettes et des débats. Finalement, on va retenir que ça dans les médias et pas sur le fond du problème. Quel est votre programme, justement, ensuite, là, par rapport à tout ça? Notre programme, c'est on va essayer de. Déjà, on va continuer d'être dans les défilés contre la loi travail, autant donc, qu'on peut. À partir d'aujourd'hui. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est autant qu'on peut en fonction de ce qu'on a comme disponibilité, vu qu'on ne peut pas poser de jour à cause de l'état d'urgence et qu'on n'a pas les moyens syndicaux d'être détachés pour participer à toutes les manifestations, et qu'on n'a pas le droit de grève, hein, je le rappelle aussi. Donc ça, on va faire autant qu'on peut pour soutenir, relayer les communiqués sur tout ça, parce qu'on est tous impactés par la loi travail. Pour le reste, on va essayer de continuer la mise en place, de participer à certaines AG de Nuit Debout. On voulait participer ce soir, mais a priori, suite au contexte de la journée, on va essayer de revenir dans un contexte un peu plus apaisé sur un autre mot d'ordre. C'est dommage. Moi, je dis franchement, c'est dommage. On va voir avec les organisateurs avec qui on était en contact. On leur a dit, nous, on n'est pas pour faire de la récupération, on est là pour passer un message et on essaye d'avoir l'oreille attentive la plus possible, quoi. Pas d'arriver pour braquer les gens et de se dire, vous étiez là le 18 mai, vous avez piqué notre place et qu'on ait des réflexions non constructives. D'en revenir quelques jours après et qu'on débatte du fond du problème. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc après, s'ils nous disent que finalement, par rapport au climat, c'est un peu apaisé qu'on peut venir ce soir, on sera là ce soir. Je tiens à préciser sans étiquette, parce qu'il n'y a pas de récupération d'un côté ou de l'autre, on sera là en tant que citoyen et policier républicain. Et donc après, ça c'est le programme, et après essayer de construire des choses, convergence des luttes, pas forcément mettre les mêmes logos, mais on peut faire des communiqués chacun de notre côté avec des objectifs communs et un travail commun, quoi, parce que on est la minorité, la majorité silencieuse qui veut que ça se passe bien, qui veut s'exprimer, qui demande que la démocratie, que la liberté puisse être appliquée pour tous.